Les chatons, c'est Aurel, on se retrouve aujourd'hui avec Nono. Salut à tous, comment vas-tu? Pleine forme, et toi? Toujours, on est samedi soir, moi je viens de sortir du boulot, donc je suis en pleine forme. Hein. Moi je suis en week-end depuis la semaine dernière, mais tout va bien. Hein. Mais toi t'es un connard, mais bon bref. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte sur Project Cars. Voilà, avec une petite vidéo bien alléchante. Ah ouais, donc on espère alléchante pour vous, et enfin le jeu est alléchant de toute manière. Carrément. Donc mon Nono, dis-moi les infos sur le jeu pendant que je configure ou pas d'ailleurs, parce que c'est, on a déjà configuré. T'as déjà tout configuré avant de lancer, donc y a pas de souci. Édité par Slightimate Studios, que je ne connais pas du tout. Pareil. Développé par Bandai Namco. On a des doutes, si c'est pas l'inverse. Voilà, bref. Sorti le 7 mai 2015 sur PC, PS4 et Xbox One. Étant donné que le jeu est magnifique, il ne pourra pas sortir sur les old gen. Ah non, bah là non. Non, parce que sinon la old gen explose. Voilà, carrément. C'est un jeu de course, de simulation, mais plus simulation. Parce qu'il est compliqué. Pourtant, en ayant fait les Forza et toi les GT, moi j'ai fait Forza et GT, mais bon, vu que toi t'as plus... Du coup, t'as beaucoup plus squatté GT que moi. Ouais, bah ouais. Voilà, et c'est sorti. C'est sorti le 7 mai 2015, ça je l'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit ? Voilà, c'est pour tout le monde, mais pas vraiment, vu qu'il est très dur. Ah, il est très très dur. Bon, donc on va vous faire voir vite fait la liste des voitures disponibles. Donc on va se mettre là-dedans. Donc il n'y en a pas énormément, il manque pas mal de constructeurs. On est à 65 voitures. Toutes débloquables dès le début du jeu. Ah oui, tu peux toutes les styles dès le début du jeu. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait on peut jouer avec, si on a envie de jouer une voiture qui a 870 chevaux, ben on pourra jouer directement dès le début du jeu avec. Seuls ceux qui veulent par exemple jouer comme toi t'as fait, commencer du plus bas au plus haut, ils peuvent le faire, ouais. Et inversement, ils peuvent faire du plus haut au plus bas. Donc, moi je peux faire ça quoi. Pour apprendre le jeu, moi j'ai commencé par le kart, 125, voilà. Tout simplement, et Dieu sait que c'est déjà pas facile. Donc, carrément. Et encore, je m'en suis sorti parce que sur GT6, il y avait pas mal d'épreuves de cartes et la sensation de conduite est exactement la même. Donc, c'est de la simu, quoi, c'est du bon taf. Ouais. C'est du bon taf. C'est donc, cool. Là, nous, on va partir avec la Ford Focus. RS Sports. Sur Côte d'Azur Westbound. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ça, par contre. Donc, je sais pas, côté ouest. Bon, je sais pas, ouais, c'est la côte pas. Ouest, on va dire. Allez. Côte ouest en Amérique. Ouais, West Coast, toi. West Coast. En Made in France. T'inquiète, hein, Booba, pas tout ça. Donc, on va partir sur ce circuit. Donc, là, on aura 19 adversaires. On a mis volontairement l'élément. De tempête. Tempête. Donc, voilà. Et donc, ah oui, bah ouais, qu'on fasse voir quand même. C'est dans... Merde, je sais plus. Tu fais un. Ah oui, exact, voilà. Conditions météo. Voilà, les conditions météo, il y en a énormément. Hein. Autant dire que... Alors, tempête. Alors, on va commencer par... Le plus bas. Donc, aléatoire, dégagé, légèrement nuageux, moyennement nuageux, très nuageux, sombre, plus faible, puis tempête, orage, on va peut-être mettre orage d'ailleurs, hein. Brouillard, ah ouais. Brouillard épais, brouillard avec pluie, brouillard épais avec lui, brumeux, et voilà. Il y a tellement de trucs, mais on va mettre orage. Hein. On va mettre orage. Alors avec les éclairs, ça peut rendre pas mal. On va mettre orage. Étant donné qu'on n'a pas vu encore une seule. On n'a pas fait une seule course encore avec cet élément-là. Avec cet élément-là et sur ce circuit-là. Ouais, Côte d'Azur en plus, putain, ça peut. Celui-là, Non. Bon, on verra. Ce qu'on disait avec Nono, peut-être qu'on va passer sur la promenade des Anglais, vu que là, normalement, la photo du circuit, c'est la promenade des Anglais. Mm-hmm. Bon, bah, mais sûrement, ils vont nous y faire passer. Hein. Voilà. J'espère. Puis la promenade des Anglais sous l'orage, c'est quand même très très rare. Enfin, tu sais pas ce que je veux dire. C'est sûr que la Côte d'Azur n'est pas très fournie au niveau météorologique avec les nuages et les orageux. Orageux, on va dire. Voilà. Ils ont l'imagination quand même, les développeurs. ils inventent des conditions météo là où il n'y en a pas. Neige. Neige là-bas, t'inquiète, ça peut le faire. Ah, ouais. Neige en Australie. Oh, trop bien. Les kangourous, ils vont être contents, tiens, ils vont mettre bien leur poche. C'est de la coke. Bon, allez, vous voyez, il y a le nombre de virages du circuit, la longueur du circuit. En miles, c'est le lieu où ça se situe. Oh là là. Ah, mais de toute façon, je vais pas. Voilà. Bon, la première chose que l'on peut remarquer, c'est que la pluie sur le capot est magnifique. Oh là là. On n'y voit rien. Ah ouais, non, mais là, c'est... Voilà. Ah, c'est la première fois que je le fais sous ces conditions, ça va être... Ouais.
Bon, la pluie qui tombe est très... c'est très simplifié, on va dire. Voilà, parce qu'il nous avait promis, comme je te disais tout à l'heure... Oui. Il nous avait... Ouais, non, mais ça doit ça bien casser. Il nous avait promis que l'eau sur le pare-brise serait, comment dire, comme dans la réalité, éparpillée. On verrait avec la vitesse. Avec la vitesse. Bon, là, on le voit pas trop. Bon, t'as eu un petit clipping de lumière, t'as vu, sur... à la sortie. Non, c'est à la sortie du final. Ah, mais je fais ça. Ça piquait un peu, quand même. Mais sinon, niveau météorologique, ouais, en plus, t'as dû ça doit glisser à mort. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est une patinoire. Ouais. La première chose qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a très peu, voire pas d'aliasing. Aucun. Franchement, aucun. J'en ai vu aucun. Là, la fluidité du jeu, elle est impressionnante. Franchement. Et moi, on est sur PS4, on n'est pas sur PS5. Voilà. Hein. PS4, et surtout que c'est une télé en 60 Hz. Ouais, ouais, c'est avec un rafraîchissement de merde. Voilà. Hein. Donc, c'est vraiment impressionnant quand même, là, le fait de voir ça. Toi, volontairement, t'as coupé les musiques pour les courses. Oui, oui, j'ai coupé les musiques, j'ai baissé le son du jeu. Voilà. Ça fait comme dans Forza et dans les derniers GT, il y avait des musiques sur les courses. Et toi, c'est vrai que ça te dérange énormément parce que quand tu fais une simulation, tu dois être concentré sur le circuit et la musique n'est pas vraiment. Mais tu sais que musique, je suis même pas sûr parce qu'elle est pas très violente, mais c'est le bruit du moteur quand t'es en train de jouer en multi. Ouais. Parce que t'entends à fond le bruit de la voiture et t'entends pas ton pote parler. Ah oui, c'est vrai que ça dérange. Et du coup, bah, j'ai baissé, j'ai pas mal baissé et du coup. Non, bah, attends, c'est quoi est-ce que je peux le faire d'ici? Du tout. Du tout. Tu choisis que. Dommage. Tu choisis que sur. Parce que là, là, le bruit du moteur, tu entends pas du tout. Bah, en vrai, en plus, on a baissé le son de la télé à fond, quasiment. Non, mais là, tu entends pas, je te le dis. Hein, je l'avais carrément baissé pour entendre Chris quand on joue. Ouais. Parce que sinon, avec le bruit du moteur, tu l'entends pas. Hein. Ouais. Ça te met pas à niveau, tu entends, t'entends un peu plus fort ton pote. Ah, mais ça glisse à mort. Ça glisse à mort. Bon, on peut voir aussi. On a les interfaces de base des jeux de voiture avec le cadran en bas à droite. En bas à gauche, on a on a le nombre de tours, le pourcentage de distance de circuit parcouru avec le temps que tu fais et le temps qu'il y a pour l'adversaire devant et derrière toi. Mais vu que tu es devant, là, t'as pas de temps en plus, t'as de temps en moins. Et une particularité qui est quand même très appréciable de ce jeu. Oh oui. Qui pour moi est très intéressante, c'est de pouvoir modifier l'ATH à notre guise. Donc tu le fais à ta manière. Hop. Et le parcours, le tracé du circuit en haut, surtout dans celui-là, vu que le jeu est magnifique, au niveau du ciel, c'est des fois très illisible vu que le ciel, si on est en plein ciel bleu, c'est carrément. Non, mais vaut mieux avoir ras du sol. Voilà. Et là, tu profites vraiment. Et là, tu vois que t'as ta vue dégagée au-dessus. Et ça, franchement, c'est super, une très bonne idée qu'ils ont eu, les développeurs, de faire ça. Ouais, parce que tu peux le modifier à volonté, tu fais à peu près tout ce que tu veux. Voilà. Et c'est... on peut modifier l'interface, mais on peut aussi... Après, au niveau des modifications de voiture, je pense qu'elles sont beaucoup plus minimes qu'un Forza ou un GT. Ouais, mais les modifications de voiture, les gars, ils se plaignent de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ou sur la toile. Ouais. Ouais, on peut pas mettre une peinture, tout ça. Mais t'es pas dans Need for Speed, garçon. Ouais. Enfin, c'est... Ouais, je modifie une peinture, oh, kicker des plages. T'es pas dans Need for Speed. C'est un jeu de simu. Donc, tu modifies les réglages de la voiture, ça, t'en as énormément. Mais au niveau du skin de la voiture, bah non, t'en as pas. Mais puis c'est pas le but du jeu. Ah non. Pas le but du jeu. Oh là, c'est chaud de porter. C'est vrai. A savoir que toute action réalisée sur la route a des conséquences sur la suite. Tu vois, là, t'es en train de rouler sur des routes mouillées. Donc déjà, t'as plus d'adhérence. Et les pneus ont beaucoup de mal à chauffer. Comme on peut le voir en bas à droite. Bah oui. Là, t'as surtout les côtés droits. Ils ont du mal à être verts. C'est ça, exactement. Et en fonction de comment tu vas rouler aussi, apparemment, ça a été très bien retranscrit. On a aussi notre consommation de gasoil, il te reste encore 59,2 km à parcourir avant de... Avant de tomber en panne, mais ça marchera vraiment pour les 24 heures du Mans et enfin tout, les grosses endurances. Les grosses endurances. On a tous les types de courses faisables, sauf le rallye. Ouais, le rallye, on en a pas vu. On en a pas vu du tout. Après, comme pour les constructeurs, est-ce que ça sera dans un DLC? Ça me fait chier. Mais aujourd'hui, comme les DLC sont devenus communs à tout, ça va piquer. Ouais, j'ai fini par en parler. Voilà. À savoir que là, t'es en tracé, t'as le tracé complet, donc t'es en aide maximale. Mais je sais même pas regarder les aides. Parce que le tracé, tu peux complètement le virer. Sincèrement,
Moi, je sais que sur les Forza et les GT, je le mettais qu'au freinage. Après, sur le tracé complet, moi, ça me dérangeait énormément sur la route. Moi, pas. Enfin, au début, pas, parce que ça me permet d'apprendre les circuits, ouais. les points de freinage et tout ça. D'accord. Donc, j'en ai besoin au début. Ça, c'est sûr et certain que j'en ai besoin. À savoir qu'au niveau des aides, c'est comme dans toute grosse simulation qui se respecte, on peut tout enlever. Ouais. Ça veut dire que là, t'es en difficulté intermédiaire. Là, je suis en intermédiaire. Voilà, donc toi, t'as quoi? T'as l'ABS, t'as tout ce qui est aide au pilotage, aide au freinage, tout ça. Bah, tu sais que je sais même pas ce que je me suis pas attardé. Je me suis dit, ouais, je me mets en difficulté intermédiaire, ouais. Pas en novice, parce que, enfin, voilà quoi. Ça va au bout d'un moment. En novice, t'appuies sur accélérer et tu finis la course. Hein. Ouais. C'est juste ça. On peut voir que t'as poqué le capot avant gauche. Ouais, ouais. Ah, mais d'ailleurs, putain, on n'a pas parlé des vues. Oui, donc vue extérieure, intérieur ras du sol, quatrième capot, vue. Cinquième vue, on n'y voit rien. Mais rien. Il n'y a pas moyen de mettre les essuie-glaces en route. Sixième, septième, vas-y. Il y a une touche pour mettre les essuie-glaces, c'est pas possible parce qu'on n'y voit rien du tout là. Oh mon dieu. J'essaye, je cherche. Non, il y a dernièrement, c'est pour changer les vitesses, t'as rien du tout. T'as pas. Ils roulent sans essuie-glaces les mecs. Ah, mais là c'est inconduisible. Et tu regardes la vue capot, donc tu as 8 vues différentes. C'est quand même impressionnant pour un jeu de voiture, 8 vues. Alors qu'à la base, en moyenne, dans les jeux de voiture, on a 1, 2, 3, 4, voire 5 grand maximum. Voilà. Mais franchement, là, ils ont fait un taf de dingue par rapport aux vues intérieures qui sont pour moi extrêmement immersives. Mais là, c'est là que j'aurais pas dû mettre tempête, c'est pour les vues intérieures, pour bien voir. Parce que. Mais je crois que le plus impressionnant, c'est quand on a fait de la Formule 1 hier. On avait la vue du casque, on avait la visière, on avait juste le trait horizontal de la visière. Donc ça veut dire qu'on voyait comme le pilote voit réellement. C'est ça. Et c'est extrêmement dur de jouer comme ça. Ah bah je sais pas comment ils font les gars. Moi j'ai besoin de voir mon capot, moi j'aime pas voir la voiture complètement. Ouais. Moi je joue avec cette vue. Cette vue pour moi c'est la plus... pas la plus simple, mais voilà. T'as la vue un peu plus haute. C'est sur le toit de la voiture. Ouais, voilà, t'es pas à ras du sol. T'es pas à ras du sol. Alors, savoir qu'il y a des vues à ras du sol qui sont très, très bonnes au niveau de la vision. Attends, merde, allez. Attends, la passée, là. Voilà. Celle-ci, tu vois, moi j'y arrive bien aussi. C'est la plus ras du sol. C'est la plus ras du sol. Mais c'est celle que j'utilisais sur les GT, tu vois. Ouais. Mais sur celui-là, j'aime pas. Enfin, j'aime pas, je m'en sors pas sur celle-là. Avec cette vue, je m'en sors pas. Vu que le jeu est très trop, là, t'as pas dû un pare-choc. A savoir que tous les dégâts aussi répercutés sur la voiture ont un impact sur ta conduite après. Ah bah là pour au niveau des freinages, tout freinage, ça, j'ai plus aucun appui. Là. T'as plus aucun appui enfin, après. Enfin plus aucun appui. Bah tu vas. C'est pas une Formule 1 non plus, mais les appuis sont différents maintenant et sont beaucoup moins stables. Ah ouais. Coup. On vient juste de remarquer qu'il y avait un panneau de radar automatique, ça me fait planer. Sérieux? Ah ouais. Ah j'ai pas vu. Radar automatique mais panneau bien français, tu vois. Attention, alerte, radar automatique. Ah bah attends. Magnifique. Franchement, voilà. Ah, mais ça claque. Le jeu, là après, ouais, franchement, le temps orage, c'est pas montrer la beauté du jeu, parce qu'on aurait dû mettre soleil. Voilà. Mais les nuages qui se déplacent avec le vent, il y a le soleil qui est derrière et tout. Ah non, mais franchement, il est beau. Hein. Une impression de vitesse assez impressionnante. Ouais, là, c'était quasiment une ligne droite. Hein. Ah ouais. Et bah, juste à cause de la vitesse, une petite montée. Et la pluie. Plus aucun appui. Ouais. Plus aucun appui. Et même le bitume, il est d'une beauté. Non, mais il y a eu 800 par rapport à ça. Franchement, ils ont fait un taf de dingue. Pour moi, sincèrement, qui ait fait les Forza, comparé à Forza, moi je le comparerais plus au Forza Simu qu'on a eu. Donc du 1 au 4, les Forza Horizon ne comptent pas du tout. Forza Horizon, c'est plus orienté côté. Oula. Oulala. Et pourtant, j'ai freiné tout. Ouais. Orienté Need for Speed. Mais franchement, au niveau de la conduite, on pouvait galérer autant sur Forza si on mettait on enlevait les aides. Mais là, je suis pas exceptionnellement un excellent joueur sur les jeux de voiture, mais j'arrive à me démerder. Mais alors là, j'ai le peu de courses que j'ai fait, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal. C'est de la prise en main assez intensive qu'il faut avoir. Je suis en vue capot, j'ai plus de capot. Hein. Ouais, bah attends, sors, vas-y, mets-toi à l'extérieur. Ouais, ouais, t'as plus de capot. Merde. Et tu roules comme ça. Et t'essaies d'accélérer, mais tu peux plus, je crois. Si, là, non, j'accélère, j'avais ralenti juste pour faire voir la vue. Bon, petit bémol par contre, par rapport à l'IA, comme dans beaucoup de jeux, elle est sur rail. Elle est sur rail. Oula. J'aime pas cette vue, j'y arrive quoi. Un baromètre en vue intérieure. Voilà, sur rail. Mais bon, comme tous les jeux de voiture, un nouveau truc.
On s'en sort assez facilement malgré le fait qu'elle soit sur rail. Voilà, là, la promenade des Anglais. Voilà. Ce qu'on vient de voir hors piste temps invalidé, ça veut dire que si on fait trop de hors piste, on roule trop dans l'herbe ou qu'on essaie de prendre des raccourcis, genre comme dans les anciens GT, moi j'aurais pas le faire, voilà. Et ben ça marche pas. Parce que ça veut dire que le temps qui est décompté sur ce que t'as fait sur le bide, sur le gazon, et ben ça va être ajouté en plus de ton temps final. Donc ça veut dire. Je suis pas sûr. Bah temps invalidé. Temps invalidé pour moi c'est. Voilà. T'as invalidé 0-0-0. Ton temps n'est pas valide parce que t'as coupé. Si tu cherches à faire un record. Bah non, 0-0-0 c'est tout. Non, 0-0-0. Bah non, après 2-80 c'est le temps qu'il a mis. C'est le temps qu'il a mis. Merde, bah alors ça je comprends pas là. Non mais temps invalidé, ça te rajoute du temps en fait sur ton temps final. Ça veut tu dire, penses? Bah c'est des pénalités. Comme dans les vrais jeux de course. Dans Forza, ça y était ça. Ouais mais là les pénalités normalement, quand tu coupes un virage, ça te met entre 5 et 12 secondes de ralentissement à 50 km/h. Ah ça te bride la vitesse. Ouais, ça te bride la voiture. Ah ouais, ça brille la voiture. Ah, je savais pas que c'était comme ça. Enfin, en ligne, ça a fait ça. Et d'ailleurs, faut qu'on parle vite fait avant de terminer du mode en ligne. J'ai été bluffant. Bluffant. Et j'ai été bluffé par la fluidité des serveurs, la fluidité du jeu en multi. Comme le solo. On se croirait en solo. Parce que les voitures, elles se déplacent pas en téléportation ou quoi que ce soit. Elles sont ultra fluides. Et franchement, pour moi, sur un jeu de voiture, c'est quand même très appréciable de jouer avec des gens. Qui ont des connexions stables, et ben là on voit pas la différence parce qu'il y avait des gens qui avaient des connexions dégueulasses sur la partie qu'on a fait juste avant. Et ça s'est pas vu. Et ça glissait tout seul. Ça s'est pas vu. Après, au niveau du gameplay des jeux en multi, là du jeu en multi, franchement, les gens ils se croient dans Destruction Derby, clairement. Hein mais non, mais c'est juste qu'ils essayent d'aller le plus vite, plus vite, plus vite. Bah ouais. C'est une simulation. Donc t'accélères trop vite. C'est pas Need for Speed, c'est Project Cars. Ouais. C'est un niveau GT ou Forza en simu. Un niveau supérieur quand clairement. Ouais, bien sûr. Moi qui ai adoré la série Forza, là je dois avouer que je suis impressionné par la qualité du jeu. Et on n'a pas parlé du solo ou quoi que ce soit, mais le solo se fait par saison. Et par saison, on a je ne sais combien de championnats. Ouais. Par tout type de championnats. Donc c'est des championnats, des mini-championnats, des gros championnats. On a des endurances, on a des sprints, on a des courses uniques. Ah bah t'as tout. Après en fonction du nombre de voitures qu'on a, voilà, en plus on a un calendrier. Ça c'est les courses sur un seul mois que vous pouvez faire si vous avez les contrats. Voilà, parce pour que, faire les courses. Parce que au parce niveau que tu peux pas se faire comme ça, hein. Ça c'est clair et net. Mais voilà, pour un seul mois. En parlant du scénario, on peut pas juger le scénario parce que c'est pas de scénar, mais tu commences pilote et puis après on te propose des contrats, etc. pour aller dans une meilleure écurie, dans une catégorie au-dessus. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'ai préféré commencer au plus bas en kart, comme ça après le kart ça me débloque le niveau au-dessus, pour après finir en Formule 1 ou en Formule GT, etc. Ouais. Je préfère avoir une évolution constante. Ouais, que d'attaquer direct avec les grosses bagnoles. Enfin, puis j'aurais attaqué les grosses bagnoles, je m'en serais pas sorti, le jeu m'aurait dégoûté, hein, clairement. Voilà, clairement. Ouais, parce bien, que même fait. En kart, les premières courses, j'ai fait du kart hier, j'ai pleuré un peu, moi. J'en ai chié. Non, mais donc, voilà. On va pas en dire plus parce que. Non, on va pas en dire plus, de toute façon, c'est pas un test. Hein, voilà, c'est une découverte. Faisons le test, on peut pas juger un test sur 3-4 heures de jeu comme certains sites le font. Non, hein. Ouais, c'est sûr. Donc, j'ai 3 heures de jeu dessus. Voilà. Donc, faut que tu avances un minimum, que tu aies fait au moins une dizaine de saisons parce que là, tu en as la saison 2, mais tu peux aller. Tu peux en faire à l'infini, je crois. Voilà, au moins avoir une bonne quinzaine d'heures de jeu aussi derrière pour pouvoir jauger un peu. Ah, bah bon, on se fera ça dans un mois de toute façon. Voilà, que tu aies au moins testé une endurance aussi, une vraie course d'endurance. Ouais. Bon, pas les 24 heures du Mans parce que je t'en demande pas tant. Putain. Parce que les 24 heures du Mans réels, ils sont vraiment. Ouais, ils sont vraiment. Ce qui veut dire que. Un trophée par rapport à ça. Voilà. On parlera des trophées dans le test qu'on fera. Ouais. Mais le jeu est pas facilement platinal, on va dire. Non. C'est sur la durée. Enfin, puis de toute façon, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de se faire plaisir. Voilà, c'est de se faire plaisir. Voilà. Et celui-là, suffit de s'y attarder un peu, de s'accrocher un peu, parce qu'au départ, c'est dur, mais si vous vous accrochez. Avec les sensations, tout ça, vous prenez grave du plaisir. Par contre, si vous avez les moyens de vous payer un volant, faites-le. Parce que jouer au volant pédalier, oui. Jouer au pad sur un jeu de voiture, moi sur Forza, les Horizons, c'est beaucoup plus simple parce que c'est du arcade. Mais sur les Forza en simu, c'est. Faut savoir jauger. Puis j'ai réussi à niquer des joysticks comme ça parce que, à force de doser à moitié, les gâchettes, c'est la même chose. Hein. Donc, si vous avez les moyens de vous payer. Un pédalier avec un volant, faites-le. Pédalier, ouais. Parce que déjà, il n'y en avait pas très cher. Voilà, en plus, les sensations sont
beaucoup, beaucoup mieux. Et le gameplay en sera énormément amélioré. Hein. Et si vraiment t'as de la thune, tu prends le siège baquet qui va avec. Voilà, mais il faut avoir de la place. Ça, faut avoir de la thune et de la place. Voilà, dans ma demeure pour quelques années, t'inquiète pas. On verra, dans parce mon que ça coûte cher. Ça coûte cher. Dans mon ah, bah oui, ça coûte extrêmement cher, voilà. Non, mais voilà, nos impressions sur Project Card. Bah voilà, 20 petites minutes, j'espère que ça vous aura plu. Bah nous on espère aussi. Hein. Et puis bah on vous fait des bisous, bande de chatons. Puis prochain test, prochaine vidéo, The Witcher 3 pour la découverte. The Witcher 3 découverte. Le unboxing de l'édition Ultra Collector. Et le test et de Wolfenstein The Old Blood. Voilà, donc Witcher il sort quand? Il sort le 19 mai, donc je vais essayer. Je dis pas parce que moi je suis en période d'examen, donc ça va être assez compliqué. Il sort dans 2 semaines. Je vais essayer d'avancer un peu pour vous faire une petite découverte, mais pas la découverte, le début du jeu, parce que tout le monde va mettre des vidéos sur YouTube, mais essayer de montrer un petit peu les systèmes de jeu. Tu le choperas quand, mercredi? Le 19, c'est quand? C'est un mercredi. C'est un mardi ou mercredi? C'est un mardi. Bah, si je ouais, peux bah t'avances et le samedi, on se fait une découverte. Je peux choper le lundi, si je veux. Donc si tout va bien, je l'ai le lundi, et j'avance un peu dans la semaine, parce que c'est une semaine où j'ai pas trop d'examen. Moi, j'ai pas d'examen. Donc ouais, samedi, dans 3 semaines... On essaye de vous pondre un truc correct sur The Witcher pour vous donner une petite idée du jeu. Ouais, donc qui pour moi va être exceptionnel. Avant, il y aura Wolfenstein, The Old Blood, le test complet. Voilà. Et puis. Et la découverte, la découverte semi-test du shmup, enfin du shoot'em up Project Root qui est sorti sur PS4 la semaine dernière et qui est très très bon. Très très dur, ah, à l'ancienne. Toi tu es un grand fan des... Ah ouais, moi j'adore les shmups, donc mais celui-là il me fait ronger les ongles, enfin voilà quoi, il est très 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 dur, enfin je trouve. Bref, et ben on fait des bisous les chatons, et puis on se retrouve prochainement. Bah oui, si tout va bien dans une semaine. Voilà, n'oubliez pas de commenter, de liker si vous avez aimé, de vous abonner si vous aimez ce que l'on fait. De partager si vous voulez montrer aux autres personnes ce que l'on fait. Voilà, et puis c'est tout. Et puis voilà, et puis on se laisse là. Et puis on se fait des bisous. Allez, bisous à tout le monde, et puis bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.